suis en train d'attendre mon vol et c'est déjà plein de désaventures parce que dans la nuit, ils ont changé ma compagnie aérienne, mon vol, ils l'ont avancé. Heureusement, j'avais anticipé parce que j'ai failli rater mon vol. Je prends le bus pour aller à l'aéroport. Le bus oublie de fermer la soute à bagages. Il y a un bagage qui tombe sur la route, devinez c'est lequel ? C'est le mien. Et du coup, je suis arrivée à bon port. Je vais pas tarder à embarquer dans l'avion. Mais je pense que ce séjour va me réserver pas mal de surprises. Pour le petit déj, je vais vous filmer un petit déj américain. Alors, ici, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous avez la possibilité de faire une waffle, une gaufre. Bon, il y a toujours les jus d'orange. Là, on est vraiment sur le petit déj très basique, hein, des hôtels moderate. Les petits muffins, des bagels, ça c'est cool. Il y a de quoi faire des toasts. Là, il y a tout ce qui va être salé. Donc aujourd'hui, on a des saucisses avec des scrambled eggs. Et là... Après, bah là, on a la chance d'avoir des petits fruits. Et de ce côté, toujours pareil. C'est toujours les mêmes présentations hein, dans les moderate. Café, hot water, et puis quelques céréales. Voilà. C'est basique, c'est standard, mais c'est... Et surtout, à quoi vous reconnaissez un petit déj américain ? Malheureusement, qui ne sont pas très concernés par l'écologie. Des assiettes en polystyrène et littéralement tout jetable comme ça. Ils sont encore vraiment beaucoup au plastique, c'est dommage. Demain matin, on vient faire un petit tour au supermarché. Je vais vous montrer un petit peu... Déjà, ce qui est rigolo, c'est que de voir dans les supermarchés américains, il y a ces choses-là pour les personnes qui ont un peu de mal à se déplacer. Donc, c'est quand même hyper pratique. Des ATM avec ma copine Karen qui retire de l'argent. Et là, on va aller faire un petit tour dans les rayons. Alors, on est sur une marque de supermarché que je ne connais pas, qui est Winn-Dixie. On va voir ça avec le coin toujours un peu protégé, clope et alcool. Allez, je vous fais le tour. Donc, pas mal de légumes. Bon, après, là, je pense qu'il n'y a rien de... qui est très différent de ce qu'on peut avoir, si ce n'est peut-être les sauces salades. Et encore, je ne pense pas. Ça, bah oui, ça, c'est typiquement américain, bien sûr. Les gâteaux, regardez ça. C'est quoi ? Crab boil. Ah, ça doit être une sorte d'épice pour faire peut-être du gumbo, non? Regarde. Crawfish shrimps. Bah ouais, tout ce que t'aimes, tu vois. À mon avis, c'est une épice locale pour accompagner qui doit être pas mal. Je montrais les gros gâteaux, ça. Ça, c'est américain. Ça. C'est fou. Les biscuits, ça, j'adore. Avec de la gravy. Ouais, c'était bon. Oh, c'est horrible. Des gros cinnamon rolls là. Mmh. Miam miam. Des milliers de peanut butter. Ah là, on est dans le pays du peanut butter là. Regardez ces gros pots en bas. Incroyable. Peanut butter. Ah, les fameux que moi je déteste. Attends, est-ce que c'est là? Les Twinkies là? Ouais, voilà. Ça là. Ça là. Dans le film, je sais plus c'est quel film, que ça donnait envie à tout le monde, et bah c'est dégueulasse. Ça, c'est... ça t'en prends toi? Ça non. Reste quoi? Ça, c'est
Ça vient de la Louisiane, le tabasco. Ah, je savais pas. Louisiane. C'est originaire de Louisiane, le tabasco. Elle est pas loin de... Ah, mais oui, tu voulais faire la visite de tabasco. C'est des pots de mayonnaise, ça, non? À savoir que la mayonnaise, ici, ça n'a rien à voir avec la nôtre. C'est... Oui. Oui, c'est dégueu. Encore. Ah, c'est des pistes. Ah oui, alors. Tenez, je vais vous montrer les sodas. Parce qu'en fait, eux, ils ont des énormes bouteilles que nous, on n'a pas. Qui sont parfois... qui font 3 litres et quelques. Déjà, je connais pas cette main. Là, on a tous les sodas. Ils ont tout. Ils ont tout et des trucs qu'on ne connaît pas. Regardez ces grosses bouteilles. Well, chérie. Est-ce que tu veux des Twinkies? Des Cosmic Brownies. Tu sais qu'il n'y a rien, littéralement, qui me donne envie. Non, je ah là là. On teste un fast-food que je ne connais pas du tout, qui est en Louisiane, qui s'appelle Bergeron's Boudin and Cajun Meat. Et là, on est en route pour la première visite, première journée. On va aller faire une plantation qui s'appelle Laura Plantation, qu'on a choisi parce que je pense qu'on pense que c'est un peu plus éthique qu'au Calais. Et pour voir un petit peu comment est racontée l'histoire. Et on espère fortement que ce sera que les guides seront des descendants d'esclaves, enfin tu vois, qu'il y a quelque chose de rendu par rapport à l'histoire. Et d'ailleurs, je ne m'étais pas renseignée, mais j'espère aussi que l'argent qu'on leur remet va pour aider les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la conservation, on va voir. Mais du coup, on va se diriger vers cet endroit, on va voir ce que ça donne. Il y avait une belle inspiration créole sur l'architecture. Et il n'y a pas de légende de fantômes à Laura Plantation, mais comme tout endroit, ça pourrait être hanté, donc on verra bien. On verra bien, c'est bien. Allez, let's go. Ce qui a été déjà frappant, en fait, ça a été la route qui longeait toutes ces plantations, puisque toutes les plantations se trouvent au bord du Mississippi. C'était intéressant aussi de voir par rapport à l'histoire que finalement, c'est les Français qui ont colonisé en partie toute cette partie de la Louisiane, qui ont créé les plantations et qui étaient avant tout des personnes très riches. Alors là, dans ce côté de la Louisiane, on est surtout sur des plantations de canne à sucre. En arrivant sur place, en effet, on a trouvé l'architecture créole très intéressante. Il était interdit de filmer pendant la visite, en tout cas dans la maison qui appartenait au propriétaire de la plantation, où on apprenait finalement toute l'histoire de cette plantation, qui somme toute était intéressante, mais il y avait toujours ce truc un peu borderline et extrêmement gênant de se dire que ces personnes exploitaient en effet des esclaves. Et d'apprendre que dans l'histoire, c'est le nombre d'esclaves qui faisait la richesse d'une famille, c'était d'autant plus gênant. J'ai littéralement squeezé toute une partie de la visite, puisqu'ensuite il y avait la visite des cases, et que pour moi c'était trop compliqué. En fait, je me sentais vraiment gênée parce que on était... un groupe de personnes francophones, majoritairement issues de personnes qui venaient du Québec, mais que des personnes blanches, avec un guide blanc, et me retrouver au milieu de cases où on raconte l'histoire des esclaves, pour moi c'était vraiment pas possible. Du coup, je suis repartie de cette visite vraiment très mitigée. Je comprends que tout ça, l'histoire des plantations, des créoles, des cajuns, des acadiens, ça fait partie de l'histoire de la Louisiane. C'est de là que tout part, mais c'est très compliqué pour moi d'aborder l'esclavage et je trouve que je ne suis pas à ma place en allant visiter des lieux comme ça. Donc au final, la visite pour moi était compliquée et c'est pour ça que je ne vous mets que quelques images puisque je n'ai rien de plus à dire par rapport à ça. À chacun de décider s'il est bon pour lui d'aller visiter un lieu comme ça. Pour moi, je n'étais pas à ma place. Jour 2, on part à la direction de Lafayette. On part visiter Vermilion, qui est une petite ville apparemment plutôt historique. On va voir, on a eu du mal un petit peu à comprendre. Ça a l'air immanquable, mais historique, dans son jus, autour de toute la culture cajun, cajune. On ne sait pas trop comment le prononcer. Et ensuite...
un petit swamp tour dans les bayous. Ça va être cool. Et voyez le jeu de soleil. Oui, c'est trop beau. Allez, let's go. C'est ça, ouais. Gate open et close à deux fois. L'étoile longue là, non? Ouais, c'est au plus près. Plusieurs communautés différentes, les Acadiens, les Créoles, les Amérindiens, les gens d'origine africaine d'ici. Vous verrez les traces de tous ces peuples en vous promenant dans le village aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de rencontrer plusieurs interprètes dans notre village qui, habillés en tenue d'époque, montrent l'artisanat traditionnel tout comme l'auraient fait dans les années 1765-1890. Okay. Beaucoup des produits que nos interprètes fabriquent se trouvent dans notre boutique. Je viens de l'Acadien. Alors, on est arrivé par où? Nous, par là-haut, c'est ça? Non, attends, pas du tout. Bah, on est rentré. Ah ici, oui, non. Mais... c'est l'inverse de notre carte à nous. Entrer par là, donc là, on est par là. Oh non, on a passé la cooking school, donc on est par là. On a la cabine du trappeur, là. Après, il y a Bobassin, schoolhouse, maison mouton kitchen, maison acadienne, blacksmith, garden, le parterre, church, presbytère, maison book vault, les toilettes, ah, un cimetière, et native American common ground area, et le bayou. Ah, c'est un bayou vermignon, ok. Oh. Mmh, c'est bon. C'est génial. Incroyable ce métier à tisser là. Hi. Amazing. It's amazing. Oh, very beautiful. Everything is by hand. Thank you. Oh wow. So beautiful. Yeah, it took me 3 years to make that one. This one also. That one. Wow. It took the whole first year was just measuring, cutting, and sewing back together all the squares with the trim. That was 1 year. It's that was amazing. 2017, I made that. Oh, wow. You do the square like separately and then yes. Put them together? Then you have to put them together the way you want. It's all different materials. Oh, wow. Yes. It's very beautiful. Amazing. Have a good day. You too. Thank you very much. Merci. There are alligators by the chapel area usually. Really? You can see one anywhere, so just keep your eye out. All either right. On water or we were wondering if They are alligators. They are wild, so they're not our pets. A lot of people. Okay, okay, we won't be close. Okay, sure, we will. But look for them. Okay, thank you very much. Have a good day. Thank you. Wow. Trop beau. C'est la maison du forgeron. Incroyable. J'essaie de passer. C'est un peu étroit. Il fait frais dans ces maisons. Trop beau. C'est étrange parce que depuis tout à l'heure qu'on visite, je me disais on est quand même sur un endroit historique avec des vieilles maisons. Et je suis un peu impressionnée parce que je trouve que les énergies sont pareilles d'une maison à une autre. Et c'est un peu étrange parce que moi je suis très très sensible aux énergies
Et souvent sur des lieux historiques comme ça, en plus, là comme on peut le voir, il y a plein d'artefacts en fait, c'est plein d'objets d'époque. On va aller dans l'autre pièce. Il y en a encore plus, et ça, c'est comme ça dans toutes les maisons. Quand il y a des artefacts, quand ce sont des lieux originels, avec on a vraiment un plancher d'époque, tout est d'époque en fait. Ils ont certainement rénové, mis un petit coup de peinture, c'est sûr, mais tout est d'époque. Là, voilà, ils ont rajouté l'électricité, donc forcément, ça s'est aussi modifié. Mais on est sur de l'époque et on devrait ressentir, là, je vois le coffre, par exemple. Incroyable, on voit vraiment qu'il a vécu, il a 200 ans, quoi. Eh ben, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie. Et je suis un peu étonnée parce que sur d'autres lieux bien moins historiques ou même historiques comme ça, je suis en train de penser à Body Ghost Town, ne serait-ce que Myrtle's Plantation que j'ai fait hier. On ressent vraiment les énergies d'une pièce à une autre, les énergies sont différentes. On arrive à ressentir les émotions. Et du coup, là, neutre, mais c'est plutôt agréable, ça va très bien avec l'environnement, c'est que du bien-être, on ressent du bien-être dans toutes les pièces, mais toutes sont égales sur le point de vue des énergies. C'est un peu bizarre, on rentre direct dans la chambre. Ah bah vous voyez là, ok, je retire ce que j'ai vu juste avant. Là il y a des énergies, là c'est différent. C'est la vraie vie. Le lit de bébé, c'est fou, le berceau. Non-functional replica. Génial, c'est beau, hein? Oh, cette poupée, incroyable. Les chambres sans couloir, en fait, elles se rejoignent. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de. T'as une pièce d'un côté et les pièces de. Tout est communiqué en fait. Voilà, la petite bonanza. C'est fou. Ils faisaient des gâteaux là-dedans, quoi. C'est fou. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, on nous a prévenu que près de la chapelle, il y avait des alligators. Du coup, on est près de la chapelle. Je commence à scruter comme ça. Et là, que vois-je? Un alligator en train de se faire dorer la pilule. Tranquillou. Incroyable, mais j'arrive même pas à y croire, c'est une scène de film en fait. On se rend pas compte là parce que hop, je vais me rapprocher un peu. Il est pas loin de nous quoi, il est genre allez, à 3 mètres. Tranquille, et pas gros hein. C'est fou, moi ça me fascine. Allez, on va manger cette fois-ci. Bah, il y a qu'un seul resto, de toute façon à Vermilionville. Et c'est un restaurant, la cuisine de maman français. Mais après, je ne sais pas si c'est de la nourriture française, je pense que c'est de la nourriture quand même qui se base d'ici. Bonjour. Allez, miam miam, let's go. Oh my god, thank you very much, yeah, thank you, merci beaucoup. So cute. La carte à la cuisine de maman. Alors c'est drôle parce que il y a des utilisations, je pense, de mots cajun comme chevrette. On pensait que c'était un dérivé. Regardez là, chevrette. Voilà bon. Chevrette frite. Et moi je pensais que c'était genre, je sais pas, des trucs à base de fromage de chèvre. En fait non, c'est des crevettes. Chevrette frites, c'est trop drôle. Et du coup, en fait, bah, les plats sont beaucoup à base de ce qu'ils pouvaient trouver dans le, à l'époque, hein, dans le coin, puisque c'est vraiment des plats d'époque. Et il y a beaucoup d'écrevisses, il y a beaucoup de crevettes. Du coup, t'as pris quoi finalement? Le gombo ou l'étouffée? Étouffée de chevrette. Elle va pas s'en remettre. De chevrette avec du riz. Oh, ça a l'air trop bon. Bon appétit. Et maintenant, je vous laisse avec la découverte d'un splendide bayou. Thank you.
est sur le point de quitter Lafayette et on va en direction enfin de la Nouvelle-Orléans. Donc Karen est en train de préparer sa map pour qu'on puisse partir. On n'est pas très très loin. C'est juste que sur la route, on va faire 2-3 stops pour... Mais je laisse Karen me faire la surprise en fait aujourd'hui. Donc on va aller découvrir 2-3 choses. Et à la fin, on arrive à la Nouvelle-Orléans pour la fin de notre séjour avec plein de choses que je vais vous montrer aussi. C'est top, c'est parti. Nous voilà à New Iberia. Et là, on va voir des petits stands. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est quoi, du coup, les petits stands, tu penses? Donc, Karen, tu viens de me dire qu'il y avait quoi? Il y a un festival du livre. Ouais. Et on voit, du coup, ils ont installé leurs petits stands comme ça un peu partout. Donc, je pense que c'est des auteurs qui s'auto-éditent, à mon avis. Hein. C'est le Tash Literary Festival. Très sympa. Il fait bon, il y a une jolie ambiance, franchement ça a l'air très cool, en tout cas pour les fans de littérature. Un vieux cinéma. Take a sip from his whiskey bottle, and this is what he said. I was born in the rain on a Pontchartrain train underneath the Louisiana moon. But nobody taught her it takes a lot of water to wash away New Orleans. On va découvrir vraiment parce que notre hôtel est en bordure. Donc là, on va aller. On va pas tout de suite dans le French Quarter, mais on va essayer d'aller découvrir ce soir quand même. Et je pense que c'est à partir de maintenant vraiment que l'aventure va commencer. Enfin, elle a déjà bien commencé, mais là, le French Quarter et la Nouvelle-Orléans, je pense que ça en passe. Hein. C'est ce qu'on voit là-bas. Mais alors, ça, du coup, c'est quel quartier? C'est sûr que c'est pas. Il y a Downtown Business aussi, j'ai vu dans la carte que j'avais à Liberty Planet. Les gars, en fait, on vous a menti depuis le début, on va pas du tout à la Nouvelle-Orléans, on va à la Défense. Ça fait plaisir d'aller à la Défense. Elle est contente. Le vieux carré, le French Quarter. En Louisiane, si vous voulez revenir avec un souvenir, vous pouvez revenir avec une tête d'alligator, c'est une vraie. Pour être honnête, ça me choque un peu, sachant qu'on est dans une boutique de souvenirs en plein super centre commercial. Ce sont des alligators qui sont élevés dans des fermes et voilà. Karen et moi, on s'est mis en tenue du dimanche. On va faire une croisière sur un bateau à vapeur sur le Mississippi. Et c'est une croisière qui propose un brunch et du jazz dessus. Donc je crois qu'on ne peut pas faire plus typique que ça. On s'est bien habillé pour l'occasion. On va vous montrer ça après. On est trop pressés. Karen,
sur le steamboat. On est en train de marcher le long du Mississippi et là-bas il y a notre steamboat. Karen est prête, elle court, on va aller prendre notre brunch. Oui, vas-y, vite. Il y a le concert de jazz qui nous attend, il y a le band. Et c'est trop bien, trop beau ce bateau. Et voilà le Natchez, c'est là qu'on va prendre notre brunch. Vas-y. Ah, des couleurs pour les cheveux. T'as vu, ils ont appelé ça French eggs. Gravy. And we're off. At one whistle blast, I'm going to take that we are officially underway, and our course is apparent. Look just behind us on our right, you can see the skyline of our city, the tallest building, the Whitney Building. Also see the Twin Crescent City connection bridges to our right. Notre croisière étant terminée, il est désormais temps d'aller visiter le French Quarter. Allez, je vous emmène avec moi et en musique.
toujours un Nola avec la touffe de Karen. On part en visite et surtout aujourd'hui se passe un truc extrêmement cool. Il y a une éclipse, il y a une éclipse qui se voit aux États-Unis. Alors nous on va avoir une éclipse à 80%. Il y a des états aux États-Unis où elle va être à 100% et on a trop de chance d'avoir ça au moment où on est en train de visiter la Nouvelle-Orléans. Je trouve ça incroyable. Et ce soir d'ailleurs on a un ghost hunt. Soir d'éclipse. Je sais pas ce que ça va donner, ça va être une folie, mais voilà. Ah, loup-garou. Roux-garou. Ah, roux-garou. Il va falloir que tu m'expliques tout ça. Il va falloir que je t'explique tout ça. Un petit point vite fait sur la Nouvelle-Orléans et le quartier français. Je crois que c'était là. T'inquiète pas. On s'est rendu compte, vraiment, on fait les artères, chaque artère du French Quarter, parce que finalement, c'est le quartier français, c'est vraiment le centre de toutes les visites, et surtout touristiques. Hein. Puis même, je pense, pour les gens qui veulent faire la fête, tout ça. C'est là où tout est concentré. Bien évidemment, la Nouvelle-Orléans est bien plus vaste. Il y a des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers visitables, dans le sens où ça va être le business district. Alors, pour ceux qui aiment bien les buildings, ça peut être pas mal à visiter, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Et là, on fait toutes les artères, et c'est vrai que chaque rue a une atmosphère, une ambiance. C'est un style, ça change du tout au tout. Quoi. Ça change du tout au tout. Et les deux rues connues ici sont Bourbon Street et Royal Street. Et on a vu déjà la différence sur les deux. On s'est retrouvé un moment sur Bourbon Street et c'était une rue qui ressemble à Canal Street et qui craignait un peu, franchement. Enfin, on s'est pas senti à l'aise, on est vite parti. Mais l'atmosphère, c'est ça qui est intéressant dans le French Quarter. C'est qu'on est, il y a vraiment différentes atmosphères. Là, on est vraiment sur une rue annexe, toujours, et il n'y a personne. C'est calme, c'est beau, c'est propre. Alors qu'on va faire un bloc plus loin sur la rue parallèle et tomber sur Bourbon Street, et ça va être l'enfer sur Terre, quoi. C'est vraiment très bizarre que les atmosphères se concentrent. Mais aussi à Bourbon Street, il y a les meilleurs cafés de jazz, tout ça. Il y a des clubs de jazz qui sont assez réputés, ouais. Donc, c'est là où il y a l'ambiance. Les premiers clubs de jazz. Ouais, donc pour ceux qui sont fans de jazz, c'est quand même important. C'est ça. D'une rue à l'autre, ça change, mais aussi de l'heure de la journée. On va essayer de voir des rues un autre moment de la journée. Là, c'est vrai qu'il est plutôt. Enfin, on est le matin, donc. Et lundi. En jour de semaine. Donc c'est vrai que là on n'est pas sur une période hyper touristique, donc c'est forcément calme et ça fait du bien parce que hier on a fait Bourbon Street un dimanche en plein après-midi. Bon, on le conseille pas, c'est pas recommandé honnêtement. À part si vous adorez ce genre d'ambiance. Hein. Là franchement, on n'était pas vraiment très à l'aise. Bon, on va enfin aller à un endroit que je rêve d'aller depuis très longtemps, Venise. Du Mississippi, et pas loin du Natchez où on était autrefois. Et alors, est-ce que tu trouves le soleil? Non. Moi, je pense qu'il est là-haut. Et voilà. On est de retour sur Bourbon Street, toujours en semaine, plutôt en fin de matinée. Bah écoutez, l'ambiance est complètement différente. Alors oui, il y a un peu de gens, il y a de la musique par ici. Et on sent que l'ambiance est bien différente, plus familiale. Festif quand même, mais plus familiale. C'est cool.